L'événement était déjà annoncé dans les réseaux sociaux, la journée de louange et d'adoration au centre chrétien de Messassie. Les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Effectivement, 547 participants, disciples de Jésus-Christ et invités, sont venus célébrer le Seigneur Jésus-Christ pendant 7h30 minutes au centre chrétien de la CMCI à Messassie. L'Église rassemblée a rendu à Dieu le ministère de louange et d'adoration, comme annoncé dans l'église à Yaoundé, au centre chrétien de Messassie. De 9h du matin à 17h30 minutes, ce dimanche 13 octobre. Sous la conduite du pasteur Aurélien Bertrand Camso, le dirigeant de la zone, les 167 assemblées de la zone d'Obala étaient rassemblées au sein du hall de l'église à Messassie. Le Seigneur Jésus-Christ a été loué et adoré. Et le Seigneur a reçu les 7h30 minutes de ministère de louange et d'adoration de son peuple. Le témoignage de la sœur Lobogo Philomène, guérie des kystes, a permis à l'Assemblée de voir les bienfaits de Dieu et la disposition du Seigneur d'en faire autant pour tout un chacun. Je rends grâce à Dieu parce que ma confiance était sur un homme. My trust was in a man. Je me disais que ce n'était pas l'imposition d'un homme que je pouvais recevoir la guérison. I was telling myself that the imposition of hand that I received. Or que moi-même je devais avoir une relation avec Dieu. Whereas I had to have a relationship with Christ. Dieu s'est glorifié et les frères ont tous reçu avec action de grâce l'appel du pasteur Aurélien Camso qui encourageait le peuple à continuer dans la louange et l'adoration heure après heure. À l'exemple de Naaman qui plongea 7 fois dans le Jourdain. Naaman. Le récit de 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 14 a été le catalyseur pour le pasteur Bertrand Camso d'inciter le peuple à louer et adorer le Seigneur au fin d'arriver à la dernière heure des 7 heures prévues pour voir Dieu qui finit par agir. Ainsi à Messassi, 1 heure et d'un, 2 heures et de 2, 3 heures et de 3, 4 heures et de 4, 5 heures et de 5, 6 heures et de 6, et puis 7 heures et de 7. Dieu a reçu le ministère à lui rendu par son peuple et qui s'en est allé chacun chez soi après s'être réjoui 7h30 minutes dans le Jourdain de la célébration du Christ ressuscité. Dans le temps des temps, il a été touché par la qualité du sang et surtout la manière profonde, spirituelle, avec laquelle les chants se sont mis à chanter.
Donc, je suis satisfait. Je suis véritablement satisfait de ce pourquoi je suis venu. C'est ce que je suis venu faire. Donc, merci beaucoup. L'espérance de la célébration de 24 heures d'un tel ministère, et non plus que 7, tel qu'annoncé par le pasteur Aurélien Kamsou, sera certainement un vœu qui s'accomplira ici lors de la prochaine journée de louange et d'adoration. Alléluia, Jésus.